Et plop, les gens, de retour sur la merde des gangsters. C'est ça le nom de l'épisode, si je le traduis. Hein. Et donc, bah, on va essayer de réussir cette fois-ci. Ils sont pile égalité en fait. Et on est au milieu des deux gangs. Ah oui, eux ils ont de la vente améliorée. Okay. Alors, au moins un deuxième. Et un troisième, ce serait quand même vraiment pas de refus. Oh, 3 dollars. Voilà ce qui nous manque. Normalement, ça devrait aller sans plus de morts, si quand même. Donc on vend tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'on n'a vraiment aucune utilité, ça fait toujours des sous. Ça on verra. Je pense qu'il faut vendre, mais... ici on peut embaucher du monde. J'aurais peut-être dû attendre la fin de la journée. C'est pas grave. Ici, on a vu que de toute façon, on sait pas grand-chose au mieux. Au mieux, au pire... C'est quoi? On peut faire une production si on prend les trois trucs. On met de l'électricité là. Mais ici la prod est bien mieux. Rouge a l'air d'être en train de prendre de l'avance.
Ah, ça coûte beaucoup plus cher ici. Ok. Tac, ici est-ce qu'on peut avoir un autre? Ça coûte 250. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui. Du coup on a 3 personnes qu'on peut embaucher. Et ici il faut 125. 125 plus 166. Donc 200, 300 presque. Ouais, 290 ça devrait aller. Et que lui aura vendu du coup. Tu peux venir ici le temps que tu viennes. Le temps que ton trajet, c'est pas perdu, il le fallait. D'ailleurs, on l'a pas payé, il est pas content. Il y a de la prod qui va commencer, ce serait cool d'avoir une autre prod. Et ici, ouais, ça va être un peu risqué quand même. Et un autre là tout de suite, ce serait parfait. Non, tant pis. Oui, oui, battez-vous, battez-vous. Ok, maintenant. Oui. Maintenant, ah. Les soldats blessés, faut venir là. Lui est pas blessé, il peut ne pas venir. C'est quoi ça? Respiratoire, élimine. Oh. Je ne connaissais pas encore cet objet. Produit des gaz toxiques, ça devrait pas trop tarder. Donc il me faut plus de monde. Et genre
Benito à 238, ok. Ah, lui est arrivé. Oui, 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 on est au courant. Il faut attaquer ça. J'avais pas ouvert. Donc ça ne soigne pas, ça donne 2% de chance d'agression, enfin 2% d'agression. Ça intoxique un peu. Chance d'explosion, ouais, ok, cool. Maintenant que j'ai mes gars qui sont en train de se soigner, de comatiser, mais il y en a toujours qui ont payé leur sous. Allez, finis de te soigner, toi. D'ailleurs, j'avais dit que toi, tu pouvais venir ici. Voilà, toi tu dois être soigné maintenant, oui. Du coup, on est tous ici. Yep, on a capturé ici. Ah, il y a beaucoup de verre ici, il va pas réussir normalement. Si on a capturé, ça veut dire que ici on peut dire à tous nos soldats de revenir. C'est quoi ça? Oh, ok. D'hab, j'ai envie de dire, j'équipe en priorité ceux qui sont le moins chers. C'est ceux qui sont le plus importants à survivre. Mais ouais. Un coup de couteau, ouais. Ça va aider pour les dégâts. Et j'ai besoin d'embaucher un autre vendeur ici. J'ai mes 4 soldats qui sont prêts, qui font rien. Ici, on peut construire un autre lit. Parce qu'en soi. Avoir deux fois moins de lits, c'est pas. Que le nombre de soldats, c'est pas ouf. Il va falloir attaquer le QG du gang directement. Peut-être embaucher, j'allais dire un ou deux soldats, mais j'ai de quoi en embaucher qu'un seul. De choses ici, donc c'est de garder des sous pour la nuit là. Il reste déjà plus de 3 heures pour le premier batch. Oui, j'ai pas ton stuff.
t'es mort. Ok, ici. Toi. Tu viens là. Oui, bon, bah n'importe. N'importe lequel des deux, toi. Produit un peu mieux. Ou alors j'envoie mon Gunter. Ouais, je vais envoyer mon Gunter. Ah, ça augmente la productivité aussi. Ok. Toi, tu viens là. Et il faut embaucher quelqu'un qui produise ici. Quand même. On sait jamais, c'est toujours bien de produire un peu localement. Vous allez attaquer ici. Et après vous irez vous soigner. Donc là j'ai 7. 7 de pourpre. J'ai 2 jours pour en produire 2, ça a l'air d'aller suffisamment vite. Alors ça c'est des green room, ok. Ok, bon. En fait, on peut acheter, on peut demander 2 vendeurs ici. Ici, normalement, il y a 2 vendeurs qui ne savent pas trop quoi faire. Vous venez ici, les soldats, vous venez vous reposer. On a besoin de. Ouais, on a besoin de. De salle de repos. Non, de vestiaire. Ok, c'est bon, j'ai mis 10, voire un peu plus. Mais mec, ce pourpre peut exploser. Ouais, c'est cool qu'on ait pris ce vieil hôpital. Kaboom. Ok, alors toi... Maintenant que j'ai mes stats, et enfin que j'ai ce que je voulais, au minimum, toi tu vas venir ici. Toi tu t'appelles comment ? Burtom. Alex, tu produis pas. Hop, hop. Hop. Et Burtom. Tu viens là. Il est où? Et toi, j'ai oublié de te dire de venir. Hein? Ok, je pense qu'on n'a pas assez de véhicules. Quoique, on produit pas mal. Alors ici, il y a bien quelqu'un avec un masque qui produit du pourpre. Ici, il commence à vendre le pourpre. Moyen ouf, hein. Moyen ouf, je préfère que vous évitiez de vendre le pourpre au moins ici. Euh...
D'ailleurs, vous, ouais, qu'est-ce qui se passe? Où est mon stuff? Eh tiens, t'es 10 paquets de pourpre. Ouais, ça me va. T'as le jeu dans le sang. Ah, dans 3 jours. Donc toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Ouais. Et ça... Ok, je peux pas l'améliorer. Je vais attendre pour ça. 1000. Ouais, bon, 1000, ça va. Et du coup, il va me falloir 500 pour l'améliorer au maximum. Et faire une énorme production de verre. Sinon, je refais exactement le même setup ici. Et je regrette de ne pas avoir mis le canapé là. Ouais. C'est vrai que je pourrais faire le même setup, mais avec du pourpre, du coup, par exemple. Ici, j'ai pas de vendeur. Il me faut un vendeur à ice cream. Victor, faut que tu viennes là. Mes soldats, j'espère que vous vous ennuyez pas trop. Je vous ai un peu oublié, mais... Ouais, on les a presque. On a juste à les ramener à la maison. Ok, non. Discours très peu passionnant. Juste 4 de dommages. Ça, c'est plus 5 de dommages et enseignement. Vous venez là, vous venez vous soigner. Embaucher quand même pas mal de monde. Quand je dis ça, évidemment, j'ai pas assez de thunes, il me faut combien? Hop. Alors 3 qui sont full life. Je sais que du coup il n'y aura plus personne, plus de... gens chez Miguel, mais je vais essayer de tous les avoir, comme ça je serai tranquille. Donc, il me faut 1, 2... Non, un vendeur, j'en ai déjà un ici. Il me faut un vendeur là, il me faut des soldats ici. Il me faut des soldats ici tout de suite. Ok, oui, non, c'est bon. Vu que j'ai envoyé des gens, c'est bon. Donc il me faut 1. Deux vendeurs. Donc, un qui viendra ici.
Et un qui vient là. Il faut que tous mes soldats viennent se détendre un peu. Et après, ils prendront... Quoique... Alors, où est mon stuff? Tiens, tes 10 packs de pourpre. Ah, dans 3 jours. En fait, je suis en train de voir que je paye 1100 dollars de salaire. Donc à minuit, il faut que j'ai cette somme-là. J'avais un peu oublié ça. Allez. Dès que vous m'aurez pris ce bâtiment, j'aurai plus besoin de vous les gros bras. Là j'étais presque 2000, tout d'un coup 600, mais je préférais garder cette journée du coup pour être sûr de... Je crois qu'il one shot. Presque. Même en séparé, il continue de presque one shotter. Ouais, super. La base de Tupo est à nous. Tupo, il sait même pas qu'on l'a eu, qu'on l'a tapé. Il va penser que c'est Miguel. Ouais, cool. Je suis sûr qu'il va essayer de la reprendre. Oh, t'en fais pas. Si quelqu'un vient, on va le défoncer. Tupo, il va pas s'en rendre compte. Ouais, faut pas laisser les gens savoir qu'on a le bâtiment. Super, regarde, des salles de vente avancées. Le parfait endroit pour écouler un peu de pourpre. Ouais, pas mal. Mais on va devoir d'abord gérer le gang de Big L. Ouais, super, on a capturé tous les points de vente. Et maintenant, on a du pourpre. Et une salle de vente pour. Et un hôpital qui s'est avéré plutôt utile. Super. Donc, Tupo, j'espère que t'es satisfait. Tu m'as pris tous mes business. Tu m'as défoncé, voilà. Mais qu'est-ce que tu parles? C'est toi qui as capturé tous mes bâtiments d'opération. Oh oh. Eh mais non. Ces petits couillons nous ont eu. Ouais, on va mettre la main sur eux, leur couper leur boulot fromage et... Ouais, j'ai l'idée. Et je pensais la même chose. On va les défoncer. Mince, Kenny, ils se sont rendus compte de notre plan, ils se sont unis contre nous. T'inquiète, mec. On a tout leur bâtiment d'opération. On est prêt pour une guerre. Tout est sous contrôle. Breaking news. J'ai réussi la mission. Rapidement en plus. Et c'est bel et bien Kenny qui vend à des junkies. La chaîne
de restaurants Sensitive Squid et partenaires ont ouvert des nouveaux street points, des nouveaux bâtiments, des nouveaux points de vente, on va dire. Les clients se réjouissent. Pendant ce temps, Gunther continue de financer son jeu. Il a embauché les meilleurs artistes et DevDog, développeur chien, pour son projet. Adieu anti-aliasing. Il y a bel et bien des chiens dans l'image. C'est vite mort, ça. Non. Art. C'est vrai qu'aux US, ils peuvent mettre la plaque d'immatriculation qu'ils veulent. Quasiment, on va dire. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, une grande quantité de choses. Donc apparemment, il donne un sac d'argent à un dealer chat et un conducteur chien. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes personnes à embaucher pour faire un développement de jeux vidéo. Enfin bon. Sur ce, on a réussi la mission. Donc on va s'arrêter là pour cette VOD. Beaucoup plus courte qu'à mon habitude, mais une demi-heure. Je trouve que c'est déjà pas mal pour des VOD. J'espère du coup que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite.